Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur ce 9e live. C'est ça, 9e live sur Dark Souls 3. Et je viens de voir que j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas fait du tout exprès. Mais bon, si ça se trouve, ça va être pas mal. Le live, il est en fait en 1080p. Je sais pas si ma connexion, elle va le supporter. Alors, ouais, on va bien voir si ça lag plus que d'habitude ou pas. J'ai un tout petit peu de drop, mais bon, s'il y en a un tout petit peu, normalement, c'est pas grave. En revanche, pour la rediff, ce sera. Il n'y a pas Véro, elle va arriver, elle va arriver. Elle va arriver. 21h, elle arrive. Elle est en train de jouer à Minecraft, en fait. Bref! Que voulais-je dire? Oui, donc oui, bonsoir, bienvenue pour ce live, tout ça, de la galère où bonsoir Amber Angel, où je galère tellement avec ce passage-là des. Alors là, c'était quoi? C'était les souterrains, non? Le donjon d'Irithyll. On arrivait dans une autre partie du donjon d'Irithyll, en fait, qui est la capitale profanée. J'avais rencontré un personnage, donc Katarina. Aucune idée de ce que je dois faire pour le libérer. Il est enfermé, je sais pas quoi faire. On verra bien ça. Je commence et on est parti. Vous me dites s'il y a des problèmes vraiment, parce que là je suis un peu inquiet. J'ai pas fait exprès du tout. Alors par contre, pour ceux qui ont une connexion de fou de malade, là vous l'avez en 1080 le là. La rediff, elle va être trop belle. Bonsoir ma petite Véro d'amour. Alors, Touk. Ah ok, d'ailleurs j'ai toujours pas pris Minecraft, même si Véro voulait que je le fasse. Prise en flag. Bref, qu'est-ce que vous disiez avant que. Scrollons un petit peu sur le chat. Donc, bonsoir à qui? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cyrielle. Merci d'être là. Bienvenue du coup. Montetsu et ses Pokémon qui est fier. Attends, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Qui est fier d'avoir fait rager un gars. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le début du skill sur le jeu vidéo. Voilà, quand les gars ragent pour rien, généralement c'est bon. Bonsoir Kyrian, Kyrian, Kyrian. Et merde, je me suis encore trompé, j'en ai mis trop, j'en arrive pas. Je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à m'y faire. Et. C'est tout? Ah, si, ben voilà, je me disais, coucou la louloune. Attends de quoi avec les têtes. Bon, allez, c'est parti. Alors je compte vraiment sur vous pour me dire si ça fonctionne pas trop mal ce soir. J'ai pas trop de drop, étant donné que le truc il est en 1080p. Putain, il n'y a pas trop de drop. Bon, si ça se trouve, je vais garder cette config après, hein. C'est-à-dire que sur la rediff, ça va être au maximum, quoi, ça va être trop beau. Bon, je verrai bien. Alors, qu'est-ce que je devais faire ici, moi? Après, il n'y a pas trop de drop, mais je bougeais pas beaucoup aussi, donc ça compte. Je crois que j'avais vu tout le monde, j'ai 19 000 âmes. Est-ce que j'ai des. Non. Non, non, non. Ça fait du bien de revenir sur Dark Souls après avoir fait un pseudo Dark Souls. Attends, par contre, oh putain, j'ai joué qu'une soirée, et puis bon, un tout petit peu tout à l'heure, histoire de voir si c'était moi qui étais très mauvais ou pas, à Nioh hier. Oh là là, c'est quoi ce chargement? Il y avait du chargement de texture, là, un truc de fou. Ok. J'ai joué à Nioh juste une soirée et je me suis déjà habitué aux commandes. Ce qui fait que non, c'est pas la même touche pour courir. Ah oui, il y a elle aussi là. Alors bon, lui, il est toujours mort. Ouais, maintenant il décore, c'est bien. Bon, tu veux quoi? Dites-moi en quoi je peux vous être agréable, noble seigneur des carcasses. Acheter. Un eau sombre de Dupri, ouais. En apparence d'un spectre, ouais, des trucs dans le soin un petit peu. Connaissez-vous une jeune fille du nom d'Henri? Elle est des nôtres et devra bientôt convoler avec vous en juste noce. C'est le chevalier. Enfin, je ne sais pas si on dit la chevalière, j'en sais rien. Une de mes relations se charge de l'escorter en ce moment même. Oh! En temps et en heure, vous pourrez aller lui présenter vos hommages. Vous savez, un point nommé, la personne qui vous est promise vous attend. Il est temps de lui souhaiter la bienvenue. Jeune fille vous attend dans la chambre secrète de la lune noire d'Anorlando. Quoi? C'est
J'y vais maintenant ou pas? Non, franchement, c'est nickel. Monsieur Pomme est un boulet. Pourquoi? Pourquoi la louloune? Demain, je revends Super Mario 3D World. Et je me prends Conception 2. The Children of Seven. Il est bien en plus. 10 euros du coup. Il est très cool ce jeu. Alors, Karian pourra peut-être me renseigner. Oh, tiens, c'est l'armure qu'il y a dans le 2, ça, le mec qui est en fantôme là. Mais c'est le machin de la lune noire, je sais pas quoi. À Norlando, c'est le passage que j'ai découvert l'autre fois où il n'y avait rien. Est-ce que j'y retourne maintenant? Va à Norlando. Ouais, je crois que je vais y aller tout de suite pour ça, en tout cas. Ça m'intrigue un peu ce truc. Surtout que c'est une quête que j'ai volontairement essayé de faire alors qu'elle est un peu chaude, quoi. Oh, putain, comment je fais pour y aller à... J'ai complètement oublié. J'ai oublié comment on va à Norlando. Manoir lointain. Grand maître Sullivan. Là, c'est quoi, le donjon d'Iritril? Non. Tu crois qu'il faut que je fasse... Ouais, il faut que je revienne ici. Par contre, le passage pour aller à Norlando, je me souviens plus. Il a acheté un PC sans prendre de version de Windows. Du coup, il a juste une version d'essai de 30 jours. Il rachète une licence. Bah ça va, il aura 30 jours à gratter. Et les filles sont jolies aussi. Mais elles ne me changent pas. Mais non, il est très cool, Conception 2. Moi, je l'ai sur Vita. C'est un gameplay très très sympa. À base de je produis des clones, je crois, des petits trucs comme ça pour attaquer les ennemis. C'est très très cool. Oui, je crois. C'est là où tu as affronté Gwendolyn, c'est Tomo Gwen. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Je vais aller voir. Et avant de revenir là où j'étais... Putain, il y a eu là-haut, c'est chiant, ça. Et avant de revenir là où j'étais... Ah non, mais je vais devoir me retaper les chevaliers noirs et tout. Je vais essayer de trouver un feu à Norlando. Je sais plus comment on y va, par contre. J'ai complètement oublié comment on y va. Ah putain, puisque mon personnage est lourd. What? Ah mais ils sont vivants, hein? Ils m'attaquent? Je sais pas, j'ai pas envie de vérifier. Attends. C'était par là. Alors là, il y a... Ah le... Oh putain! Oh non, le tireur... Le sniper, quoi. Tireur d'élite, le mec. Est-ce que les chevaliers noirs de merde qui étaient là-haut, ils sont... Ouais, ils doivent y être toujours, hein. Putain, évidemment qu'ils y sont. Oh non, j'avais galéré la première fois. Mais pourquoi j'ai pas insisté jusqu'à trouver le feu? J'avais pas envie d'aller à Norlando. Je disais que c'était pas le moment. En fait, j'aurais dû. Bon, je vais les esquiver. Je vais les esquiver. Je vais... Putain! Wouah! Je vais aller direct à Norlando. Avec ma flèche plantée dans le torse. Aucun problème. C'est où? J'ai oublié. C'est là? Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est là. Putain. C'est là-bas. Alors attendez, non. Je vais déjà... Ouais, je vais déjà aller... allumer le feu d'à Norlando. Parce que je l'avais découverte. Et j'avais pas allumé le feu, donc je vais déjà faire ça. Comme ça, si je crève, j'aurai pas à refaire toute la partie avec les chevaliers noirs qui font quand même du dégât. Hein. Surtout que je suis un peu rouillé là sur Dark Souls. Hein. Donc je vais pas trop tirer sur la chance. Bon. Bonsoir la petite licorne. Comment que la population elle va? Oui, je crois que. C'est le chevalier d'argent à Norlando, ceux qui repopent dans l'air. Allumez le feu. Ça sert à quelque chose si je redescends là ou pas? Je sais plus. Je sais pas si j'avais vérifié. Normalement oui, il me semble qu'il y a quelque chose. Là. Ah bah non. Non. Effectivement, maintenant c'est... un peu cassé. Je
sais plus ce qu'il y avait en bas d'ailleurs. J'ai complètement paumé. Mes souvenirs là de Dark Souls 2 sont très très loin. Et en fait, je reconnais un Orlando, bien sûr, parce que bon, c'est un endroit un petit peu mythique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est emblématique, mais c'est tout, quoi. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir... Ah, ben il est là, le feu. Putain, je l'ai pas vu. Pourquoi j'ai pas insisté l'autre jour pour juste aller là? Juste là, au feu, quoi. En sachant que... Là, j'ai encore les là où j'étais, les espèces de catacombes, là, à faire. C'était pas des catacombes, c'est quoi, quoi? C'est le titre du live. La capitale profanée, merci, titre du live. j'ai la capitale profanée à faire. J'avais des profondeurs que j'avais trouvées. Je sais même plus comment il faut y aller. Où je pouvais me rendre. Et j'ai Anorlando, quoi. J'ai quand même du choix en ce qui concerne... en ce qui concerne les lieux à visiter. En fait, tu as vu mon message sur Twitter. Karian, oh, désolé, je suis pas bavard, je joue. Ah bah bravo. Le pouvoir de Minecraft, quoi. C'est quoi ça? Déjà vu quelque part. Ah oui, c'est quelqu'un qui a reconnu. Il s'est dit, oh mon dieu, mais c'est Dark Souls 2. Bon, alors là, du coup, je m'attends. Alors, elle a parlé du chevalier Henry, là. Donc c'est la fille... on l'a vu. Salut. Très bien. Chagrin droit devant, ah, lune en vue. Je sais pas ce qui va se passer, mais franchement, ça a pas l'air très cool. Elle vient de me filer quoi? Putain, j'ai tellement d'armes. Faut que je fasse quelque chose pour ça. J'en ai trop, quoi. Espadon du bourreau. Ouais. Ah, c'est ça, non? Je sais plus. Non. Mais attends, y a plus, c'est plus les épées, là. Comment ça se fait que je la retrouve pas? Ou alors, c'est pas une épée équipable. C'est peut-être dans les objets clés, je sais pas. Attends, non. Je vais aller directement dans les objets clés, je vais voir qui... Hein, c'est pas ça, là? Ah oui, épée de la révélation. C'est par le mariage que naît un véritable seigneur des carcasses. Je sens qu'il va y avoir un boss. De toute façon, c'est sûr, on combat un truc là-bas. C'est sûr qu'on combat un truc. Parce qu'il y avait des taches de sang la dernière fois. Quoi? Oh, Valu. Rien. Je trouve ça mignon. Ça vient de King of Anorlando, c'est Dark Souls. Tu t'es trompé encore, c'est Dark Souls, hein, Orlando. Putain, c'est pas vrai. Oh merde, c'est genre un sacrifice. Je l'avais. Cela vous arrivera également. Seigneur des cendres en vue. Qu'est-ce que je dois faire encore? Rite de la révélation. Pourquoi mignon? Rien. J'imagine des choses. Oh! Mais non! Mais elle était gentille, Henry. C'est son destin, sérieux, à elle? Elle sert juste à ça? Alors, je rappelle, hein, elle a perdu son... son garde du corps, on va dire. C'était, comment il s'appelait? Horace? Et on avait perdu sa trace depuis, il me semble bien que c'est elle. Ouais, c'est elle. Symbole noir. C'est... Dans la gueule! Mais c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est...
J'ai eu quoi? Qu'est-ce que je viens de trouver? Attends, ça doit être dans les... Ouais, ça doit être dans les objets clés, je suppose. Ouais, c'est là. Ah, mais j'en ai plein, en fait. Emmagasine les énergies maudites. La fin du jeu? Non, non, c'est pas la fin du jeu. Tiens. Vision de astuce. Mais... Non, puis il n'y a plus une seule tache de sang au sol. Alors qu'il y en avait eu plein à un moment quand je suis venu. Il me semble qu'il y en avait plein. Ouais, c'est sûr même. Et j'avais dit, il va forcément se passer un truc. Peut-être en m'éloignant. Ou alors j'ai un truc à faire. Je retire l'épée, retire l'épée. Salut Théo! Le petit filou. Les petits filous tubes. Je peux rien faire à part lui marcher dessus dans le plus grand irrespect. Ouais, c'est bien, hein, je reconnais le casque et tout, mais. Ah putain, les mariages dans Dark Souls, c'est pas cool. Merde, j'imaginais une noce un peu plus heureuse. Bah, peut-être qu'il faudra que je revienne, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je viens de faire. Ah putain! Et elle vient de clam. Ah, elle m'a filé un sort. Caméléon. Ah, d'accord. Donc en fait, ça, qui est en train de, qui est morte par terre, c'est celle que j'aurais pu tuer un peu plus tôt dans le jeu. En fait, j'imagine qu'Henry, j'aurais pu la. Je crois que c'est elle qui l'a. Ah, mais oui! Ok, je viens de comprendre. C'est elle qui l'a enlevée, en fait. Le dernier endroit où j'ai vu le chevalier Henry, donc la fille à qui je viens de faire passer les envies de migraine, là. Pourquoi il y a des taches de sang ici? Elle était dans dans l'espèce d'église d'Irithi, là. Avec. Ce pèlerin qui vient de mourir et qui avait le même sort en fait. Donc oui, c'est assez clair. Si on la tue, on l'empêche d'enlever le chevalier. Est-ce que c'est pas une fin un peu mieux? Je sais pas. Enfin, de toute façon, je sais qu'il y a plusieurs fins, faut le savoir, dans ce Dark Souls. C'est une nouveauté. Je sais qu'en prenant ce cheminement-là, enfin là, je sais pas ce que je viens de faire est bien, mais bon, tant pis. Mais je sais qu'en prenant ce cheminement-là précis, je me dirige vers une des fins, quoi. Le diable espère, le seigneur du temps. Je suis votre dieu. Bannissez-moi ça! Tetsu, t'as pris ta pilule! Je sais pas ce qui lui arrive à Tetsu. Fais droit devant. Mais ça fait chier, je l'aimais bien, moi. Elle, là, qui est morte. Bon. Ben non, moi je m'en fous, je reprends mon chemin, hein. Capitale profanée, ouais, c'était là. En fait, je suis en train de me demander si j'ai pas fait une connerie. Dans Dark Souls 1, tu avais deux fins, Manu. Il n'y avait pas deux fins. Quand il y a Carian dans le chat, j'ai l'impression de ne pas avoir joué au même jeu, quoi. Alors, descendre, là, il y a une échelle. Voilà, bon, nous revoilà dans la capitale profanée. Qu'est-ce que je pouvais faire déjà? Oui, là, il y a une échelle ici. Allez, je vais descendre par là. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin, mais c'est pas grave. Moi, je viens de cette espèce de tour là. Ouais, j'étais de l'autre côté. Oh putain, c'est quoi ça? J'étais de l'autre côté. Contre là, bon bah allez, hein, je continue. Puis ouais, j'aimerais bien aussi. D'accord. J'aimerais bien aussi délivrer. Comment il s'appelle? Katarina, qu'est-ce qu'il fait ce truc? Attends, c'est là d'où je viens? Mais non.
Putain, comment... C'est dommage que j'ai pas une arme à distance. Je peux... Il vient ? Oh putain ! Je disais, c'est dommage que j'ai pas une arme à distance. Je crois que j'ai trouvé un arc. Mais je sais pas si c'est bien puissant en fait. Surtout que je l'ai pas du tout augmenté. Bah ouais, du coup. J'ai quoi? Attends, arme de main droite. Je crois que j'ai un arc. Ah ouais, il est là. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. Ah, c'est le grand arc du tueur de dragon carrément. Mais je peux pas le prendre. Ah si. Ah ouais, si, si, si. Ah, il est pas. Ah, pour le coup, il est même puissant. Tiens, je vais le prendre. Et pour les flèches, c'est les flèches standards. Je vais essayer avec les flèches standards, tiens. Alors, tiens, c'est un essai, on va voir ce que ça donne. Parce que là-bas, il me gonfle un peu. Attends. Alors, je sais plus comment... Attends, j'ai complètement perdu. Comment on zoome dans ce jeu? Ah, voilà. Attends, ils sont où les mecs, là? Ah, elle est là. Alors, on va voir ça. En fait... Oh putain. Voilà. En fait, l'arc de tueur de dragon, il est pas mal. Il est très lent à charger, me semble-t-il. Évidemment, il était déjà là dans... Dans un précédent Dark Souls. Maintenant, j'hésite à dire lequel, parce que Karian va me dire que c'est pas le bon. Merde! Mais regardez-moi la gueule du truc, quoi. Putain! Ah, mais c'est pas vrai! Attends, attends. Ah, puis je peux plus bouger une fois que la flèche est chargée, quoi. Bon, je viens de tuer... tous les rochers de... Oh! J'ai fait que dalle de dégâts. J'ai fait que dalle de dégâts. Si je prends un autre arc, ça fait quoi? Parce que là, j'ai quand même l'arc badass de ouf. Mais celui-là, par contre, il sera un peu plus simple à manier. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Ah oui, voilà. C'est qui? Mais en fait, attends, mais d'où vient là? Qui me lance la boule de feu, putain? Elle vient... Ah, mais elle vient toute seule du flambeau, on dirait. Bon, je vais run. Ouais, je vais courir. Allez. Oh, punaise! Ok, là, il y a un truc. Oh, grande flèche! Tueur de Nice. C'est limite, c'est là le jeu te... Te dit pas d'y aller à l'arc, hein. Tiens, attends, là ça a l'air tranquille. Je vais voir si... Non. Hop! Attends. Non mais... Ah, voilà. Alors, avec un petit tire-tête... Il s'est retourné genre... Bah... J'en ai pour 2 ans, en fait, à faire ça. Et avec l'autre... Maintenant que je suis à l'abri, à peu près... Si je prends celui-là... Faut des grandes flèches, vas-y. Cet arc est dans les deux... Boobs. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis des grandes flèches? Allez, on va essayer. Là, ils m'ont filé ça aussi, les grandes flèches du... Ouais, on va essayer avec ça. Allez. On va voir ça. Hop, non. Par contre... Voilà. Merde! J'en ai pas beaucoup de flèches comme ça, faut pas que je les gaspille, là. Putain. Oh! Ah! Ah, je l'ai fait tomber. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais ça... Mais bon, allez. Étant donné le résultat que je voulais, on va dire que c'est plutôt un succès.
comme le riz de l'oncle Benz. C'est toujours un succès. Bim! What? Ah ouais! Ah si, ça fait des bobos quand même. Non mais reviens. Bon, allez. On s'en fout, j'ai passé trop de temps sur ce truc. Oh, c'est quoi ça? Grande dame de guerrier épuisé. Donc sur le chat on parle de choses que je ne comprends pas. Oh. Ah bah là. Là moi je dis petite pyro là. Ah, j'aime trop comment ils se retournent tous en même temps quoi. Genre bah. Tiens, combustion spontanée du sol. Bon. Non, mais fais pas ça. Merde. Pourquoi j'ai plus de... C'est l'arc, ça prend de la... Ça prend de la vigueur, l'arc. J'ai l'impression d'être un noob sur Dark Souls, quoi. Le mec... Ah, il y a plein de... Oh mon dieu, j'ai trouvé la salle au trésor. Vous êtes des ennemis ou pas, vous? Ouais, on va partir du principe que vous êtes des ennemis. C'est pour ça que je vous bourre la gueule. Bon, ça va, ils m'ont pas l'air bien dangereux, hein. Voilà. Allez, lui, on va essayer de lui faire... Voilà, bim! Dans ses fesses. Oh! Bonjour, madame la gargouille. Alors, faut par contre... Autant là, ça, c'était simple... Autant avec les gargouilles, il faut quand même faire un peu plus gaffe. Coucou. Oh, 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 oh. Oh, putain. Ah, puis c'est pas bon, ça. J'ai gardé mes habitudes de... Allez, qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé mes habitudes de Nioh. Bon, allez, allez! Oh! Je l'ai déglingué en un coup! Ah, il m'a filé son marteau, c'est cool! Comme dans les MMORPG du JDG. Va chercher mon marteau sur la gargouille. Bon, encore une fois, il y a des mariés là-bas. Coucou. Hop là. Eh bah oui, hein. Et dans les fesses que ça se passe. Allez, hop. Attends, mais c'est là que je venais le feu tout à l'heure. Si je me trompe pas, c'est ce machin-là là, qui me lançait du feu, non? Marqué quoi, là? Saisir à deux mains. Ah, mais oui, ça c'est celui-là que j'ai pas pu tuer tout à l'heure. Ouais, ouais. Allez. Ah, par contre, je l'ai blessé. Hein. Ma flèche lui a pas fait du bien. Très bien. Ah. Bossu time. Alors, je vais pas y aller tout de suite. Hein. Je vais peut-être un petit peu explorer, voir si je trouve pas un feu aussi. Saisir deux mains. Nécessaire. En bref, compétence nécessaire. J'ai la compétence de saisir à deux mains. Oh, là, il y en a un peu plus que tout à l'heure, quand même. Bon, il n'y a pas un truc qui va me tomber dessus Ouais, ça a l'air bien. Bon, ah bah, allez, hein. Coucou. Mais oui, si, bien sûr qu'il y a un truc qui m'est tombé dessus. Ah! Oh, merde. Oh, 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 tu peux pas me rejoindre là, hein. Je suis dans un cul-de-sac, en plus il y a le boss. Non, c'est bon, il a pas l'air de pouvoir me rejoindre.
On va leur envoyer une petite flamme dans la gueule. Voilà. Voilà, bim. C'est marrant, on dirait qu'il est en train de piquer son pote. Ah, mais j'ai l'arc, au pire. Au pire, j'ai l'arc. Attends. Bougez pas. C'est un truc de fou, hein. J'arrive pas à jouer avec l'arc. Voilà. Ah, j'ai plus de flèches! Ah, mais il fallait bien que ça arrive. Équipement. Ah, bah ouais. Flèche de foot de tueur du dragon. Pff, tiens, allez, on va foutre ça. Eh, mais attends. Pourquoi j'en ai deux? Mais si, il me reste en fait des flèches. Ah, mais attends, ouais, c'est peut-être mon arc. Peut-être qu'il faut des flèches spéciales de dragon, je sais pas quoi. Bon, je vais prendre cet arc-là. Sinon, j'ai ça aussi, là. Ça a l'air d'être un arc tout merdique. Alors. Voilà. Mais. Ah! Bon, la gargouille, c'est sûr, elle est coincée dans son coin. Ça m'arrange un peu. Mais pourquoi? Alors attends, je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à tirer mes flèches? Coucou tout le monde! Hello Menepsis! Comment tu vas? Non mais Menepsis, il est pas sur Overwatch. J'ai du mal à le croire. Et attends, mais c'est. Pourquoi? Alors voilà, je reprends ça. Ça c'est quoi? Flèche 1, flèche 2. Bah ouais, vas-y, tire. Alors. Eh ben oui, là, il les a! C'est quoi ce bordel? Alors tiens! Bim! Je vais essayer de toucher sa copine derrière. Et là, elle a un peu perdu la gargouille là. Ouh, dans la papatte. Dans la papatte. Ça me rappelle mes aventures sur Demon's Souls, c'est ça. Je jouais beaucoup à l'arc dans Demon's Souls. Bim! Alors une fois que je l'aurai tué, elle. Bah, ça va, le truc qui est derrière, il a pas l'air trop. Hein. Bah bientôt j'y vais là. Ça m'aurait étonné. Oh ma flèche elle est passée au travers. Bim! Tu vas faire le quepon. Le quoi? Bon allez. Je l'ai suffisamment blessé. Je pense que j'arrive. Je suis fou de coups, c'est bon. Enfin, lui aussi il peut faire ça. Ah! Putain! Non! Voilà! C'est comme ça qu'on dresse les gargouilles chez moi. Et ce qui fait que mine de rien, putain, j'avais pas vu, mais j'ai des âmes! J'ai des âmes! Ça, c'est bien. Bon, oh, de toute façon, je m'y attendais hein, à ce qu'il y ait un truc qui me tombe dessus, je l'avais dit. La salle me paraissait trop grande. Eux, là, c'est des ennemis trop faciles. Donc, ouais, ça puait le piège à plein nez. Ouah, enfin, c'est des ennemis trop faciles, mais il faut pas se laisser déborder non plus. Hein. Ok, voilà. Mon perso est vraiment trop lent. C'est quoi ça? Trésor droit devant. Bon, on va lui faire confiance. Ok, c'était pas une mimique. Oui, je suis désolé, Karian. J'ai pas regardé s'il y avait une chaîne ou je sais pas quoi. Alors là, il y a pas de chaîne là. Donc s'il y a une chaîne en fait. Bon, je ferai gaffe la prochaine fois. S'il y a une chaîne, c'est un mimique. On va faire ça. Ce qui serait bien, c'est que je trouve deux coffres. Ah, il y en a qui sont fait tuer ici. Un mimique et l'autre l'est pas. Ah bah voilà! Bah, attendez. Ah, moi je vois pas. Ah si, là il y a une chaîne. Ah mais il y a deux chaînes en fait. Karian, ton expertise. Les chaînes me paraissent. On dirait que celle-ci est plus longue ou alors c'est moi qui déconne. Bon, les effets du manque se font ressentir. Et ma femme en Overwatch. Bon, visionnage tout le monde. Bye!
Mon. On va pas dire Méné, ça fait bizarre. Mon Salvatore, à bientôt. Bon, est-ce qu'il est encore là, Karianne? J'ai besoin de. Attends, il y a personne qui me donne. Alors, oui, à lire message. Ouais, et lui? Ça se trouve, les deux en sont. Si je donne un coup comme ça. Ah putain! Casse-toi! Oh, il m'a pas eu, c'est une chance, hein. C'est vraiment une chance. Qu'est-ce qu'ils sont moches, les ennemis, putain. Bah, ils sont cool parce que. Bah voilà, c'est des coffres qui t'attaquent, quoi. Mais sur leur grande papatte. Quand c'est des mimiques, les chaînes sont comme ça. Ah, donc ça, c'est un mimique aussi? Merci! Ah, bah j'ai pas eu de la chance deux fois. Il m'a tué! Ah, bah bien sûr qu'il m'a tué. Regardez-moi cette grande langue. Ah, il m'a mangé. Il m'a mangé. Et puis après, il se remet dans son coffre. Oh, je suis bien. Bon! C'est bien, j'aurais voulu trouver un feu, ceci dit. Mais avec un peu de chance, les gargouilles n'ont pas de revenir. Ouais. Bon, je sais pas. C'est bien les piercings, après chacun ses goûts pour les endroits. Salut à tous, salut à toi, Night Lover. De quoi tu parles, Cyrielle? On te gère... Ah, il y a la petite licorne qui veut se faire un piercing sur la corne. Pourquoi pas? Putain, merde. Arrêtez avec vos flammes, là. Alors. Je vais essayer de passer par là, j'ai vu que c'était possible. Voilà. Oh, c'est possible et en plus il y a un objet. Oh, grand arc en plus! Ben voilà! J'ai trouvé un copain. Alors là-bas, il y a des choses. Ok. Allez. Bon, je vais essayer de récupérer mon. Ouais, putain, il fait chier. Voilà. Allez. Hop. Dague de la servante. Bon, ça va, ils sont tout pourris, ces ennemis. Tiens, je vais m'équiper de mon nouvel arc. Pour le coup, ça a l'air pas mal, ça. Ah, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas parce qu'il me manque. Il me faut 24 de dextérité. Ah, ça tombe bien parce que je suis. Oh, je t'avais pas vu, toi. Ça tombe bien parce que je suis en train de bosser sur la dextérité en même temps. Là, je me dis que c'est la dextérité qui serait intéressante à monter à ce moment-là. Attention à droite. Est-ce qu'elle est là, la gargouille? Est-ce qu'elle va revenir, cette gargouille, au moins? Attends, je sais pas. Je sais pas, je sais même pas où elle était. Je vais me prendre une petite potion, on sait jamais. Ouais. Allez. Oh! Ah merde! Bah allez, on va se les faire au feu. Si je pouvais. Ouais, je touche un tout petit peu la gargouille, mais. Ouais, c'est pas ça qui va m'aider, hein. C'est pas les petits dégâts que je lui fais là qui vont beaucoup m'aider. J'aimerais bien trouver une armure digne de ce nom aussi. Ah non, mais c'est pas ce petit machin là qui. Voilà.
Ok, bon, on va se le faire doucement. Non! Oh non, double kill! J'ai perdu mes âmes! Ah, la douleur! Ah! Elles reviennent, les gargouilles, je crois qu'il y a des blacks. Nike qui respawn pas. Ok, c'est cool. Bah, et fouet, les Black Knight et les mini-boss. Donc, je me suis dit, c'était peut-être des mini-boss. Ouais, évidemment, elles reviennent, les gargouilles. Ah, elles reviennent bien, mais putain. Ah, c'est relou. J'aurais eu l'arc et suffisamment de compétences pour l'utiliser. Ça m'aurait bien aidé, là. Bon. Ouais, bah, écoutez. Putain, 30. Presque 40 000 âmes, je crois, un truc comme ça. Ouais, de toute façon, on va dire que c'est un petit peu. En ce moment, c'est un petit peu habituel, hein. Je perds toutes les âmes que j'ai. Mardi, c'était n'importe quoi. Entre deux lives, là, je vais en être à juste 100 000 âmes de perdu alors que j'en ai besoin. Bon, bah, c'est génial. Mais tant pis, là, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Puis je pense que. Bah, je vais. Pièce rouillée. Ouais, mais j'aurais bien voulu savoir ce qu'elle cachait en fait, cette salle où ils étaient les trésors droit devant, t'es sérieux? Mais si ça se trouve, c'est même pas des conneries, hein. Ça se trouve, c'est pas un troll, et que si tu sautes, t'atterris quelque part et c'est un trésor et tout. C'est vraiment pas impossible, quoi. C'est plus 84 H4M4. De toute façon, on l'appelle Manu. Oui, personne m'appelle Bahama, hein, quasiment. Il n'y a que mes amis qui m'appellent Bahama. Non, je dis ça parce que des fois, il y a Klex qui m'appelle Bahama. Le mec, il sait pas. Il est bizarre, Klex. Alors, fais chier. Bon, tiens, prends ça. Ouais, je vais essayer de me taper la gargouille qui est là-bas. Mais elle est où, en fait? Attends, je vais y aller à l'arc, genre. Bim! Mais merde! Je passe au travers, quoi! Alors, je sais, c'est pas un FPS, mais quand même. Ah, là, cette fois-ci, j'ai plus de piège. Elle va me rejoindre, la mariée, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle a une flèche qui est plantée dedans. Il veut pas les utiliser, les flèches de tueur de Nice, là. Non, il veut pas. Ouais, mais non. Faudrait que je me tape d'abord la gargouille qui est là toute seule. Je sais pas où elle est, moi. Tout à l'heure, elle était là, par terre. Ah, bah la voilà. Bon, elle a moins fait chier pour cette fois, mais ça va. Et c'est que ça rapporte pas mal d'âmes, hein. 13 000. Et puis là, bah, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Ah, elle est là-haut! Ah, j'ai mis quelques coups là, c'était intéressant. C'est dommage que. Que la mariée m'a dérangé. Allez, viens par là, viens par là. Allez, hop. Voilà. Après, il va falloir que je me fasse pas tuer par le coffre. Et les mimiques, c'est des ennemis, mine de rien, qui sont plutôt redoutables, hein. Heureusement que j'ai un bouclier qui est assez résistant. Oh! Ok. Ok, c'est bien. Bon, la petite dernière là-bas, normalement, c'est pas un souci. Ah, je suis dégoûté quand même d'avoir perdu mes âmes.
Et je crois que je suis en fait tellement blasé, je suis tellement habitué à ça, que bon... Ça me fait bizarrement ni chaud ni froid. Ah, elles vont finir par réussir à me buter, elles. Mais c'est vrai que je regrette pas mal de trucs sur mon personnage. Notamment sa lourdeur. J'aurais vraiment pas dû prendre un chevalier. Et j'aurais pas dû monter cette épée. Normalement, je prends des armes qui... Voilà, qui attaquent assez vite et tout. Et là, c'est difficile, quoi. Bon! Te voilà, FDP. Alors. Allez, c'est parti. Tchou. Tchou. Hop. Allez, viens. Regardez-moi ces ennemis tout moches. Et bon, ça se passe bien sur le live, je veux dire. Ma petite bourde. Ça se passe pas trop mal. Si c'est le cas, vraiment, je reste comme ça. Hein. En 1080p, putain. Ah, il m'a donné juste une vieille pièce d'or rouillé. En tout cas, est-ce que j'ai du drop, moi? Je 1% de drop, franchement. J'en ai toujours 1%, de toute façon. Je pense que j'ai un souci. Donc, franchement... bah, écoutez, je suis plutôt content. Il n'y aurait pas un truc, là? Mais à quoi sert cette salle? Cette salle sert à rien. Il n'y a même pas un feu. Bon. Night Lover, c'est moi le connaisseur de Dark Souls 6. C'est mon rôle. Le connaisseur de Dark Souls attitré. Ouais, mais là, ça sent le boss. Ça pue le boss, je dirais. Même. Ouais, c'est pas la même chose. Yorn. Yorn le géant. Oh, c'est lui. Ah, mais oui. C'est lui qui avait eu la fameuse édition collector de Dark Souls 3. Qui a une allonge de fou. Du calme. Qui avait eu l'honneur de figurer en tant que statuette dans le collector de... À 500 boules, 400 boules, je sais plus, de Dark Souls 3. C'est ce personnage-là. Bon, bah j'ai duré longtemps. Je vais essayer de me prendre une braise, histoire de voir si je peux pas... invoquer une aide. Bon, après, ça me dérange. Là, c'est pas très grave parce que j'ai plus rien à fouiller. J'ai juste à me rendre directement dans la salle du boss. Donc, bon, bah, monsieur, je suis mort, c'est pas très grave. Hop. J'espère juste qu'en fait, les traces d'invocation se trouvent près du boss. Juste pour le plaisir, parce qu'elle me gave, là. Le cucuchelan. Bim! Voilà! Je pense sincèrement que c'est un bon spot de farm, parce qu'ils sont tellement simples à tuer. Et ils sont tellement nombreux. Alors, je vais me prendre une petite braise, ouais. D'ailleurs, ça va m'aider. Non, il n'y a pas de... Ça se trouve, ça se trouve, la marque d'invocation, elle se trouve... là-bas. C'est ce qui expliquerait qu'en fait, il y a autant de... Il y a autant de monde. Et que cette salle ne serve en apparence à rien. C'est possible. Hein. C'est vraiment pas impossible. Bon. Je sais pas trop, je vois pas... non, je vois que dalle. Ouais. Non, je vois pas de marque ici.
Monsieur l'humoriste attitré du live. Ça me file un peu les jetons quand même de devoir l'affronter à poil. C'est-à-dire sans bouclier, c'est-à-dire sans personnage pour me couvrir. Ah tiens, c'est vrai, il y a ce truc là-bas, là. Parce qu'il a l'air quand même vachement costaud, hein. Il a pas l'air... il a l'air un peu en colère, le boss, là. Bon. Ah, et puis j'ai l'impression que c'est le seul feu, en plus, de... du coin. Ouais, c'est la tueuse de géants. La tueuse de géants, parce que c'est une femme. Elle est magnifique. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer de passer tout droit. Voir s'il n'y a pas une marque d'invocation. Voilà, lui, on s'en fout, il n'est pas très dangereux. Hop. Et pour le coup, c'est même moins dangereux de passer par là. Je vais les tuer. Voilà. Je me retourne, je suis creepy. Allez, tiens! Bon, pas de marque ici. C'est un peu la déception quand même. Je vais aller voir au fond là-bas. Près du gouffre. Ce serait pas étonnant qu'il y ait une marque près de cet endroit là-bas. Ou alors, je sais pas, c'était... Ah, j'ai pas vu ça. Ou alors c'était Henry. c'est le personnage que j'ai sacrifié. Peut-être qu'elle pouvait m'aider. Je sais pas. Ouais, non, il n'y a que dalle. Bon, bah, allez, c'est pas grave, on va se le faire. On va essayer de le faire. Comme ça. J'ai pas du tout rassuré, mais c'est pas grave. Comme dirait Zambla, je suis pas rassuré. Une épée féminin. Ah, mais je croyais que vous parliez du boss, moi. Bon! On va voir ça. Je vais analyser un petit peu la salle. Alors, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il a une portée de malade. Ami, mais chagrin nécessaire. Quoi? Ah, bordel, bordel, bordel. Oh, il y a un truc là-bas. Je vais me mettre derrière son trône. Maître des tempêtes. C'est sérieux? Je lui fais que dalle de dégâts. Je suis en train de me demander si... il faut pas utiliser l'arme que je viens d'obtenir. Ouais, mais alors, le temps de trouver l'arme dans mon inventaire et tout, il m'aura écharpé le truc. Et y a pas de moyen de s'en débarrasser, là? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi. Laisse-moi aller derrière le trône. Juste là. Juste un coin safe. Coucou. Oh, bordel. Non mais je sais pas où elle est. Ah là là. Me suis. Et puis il me voit à travers des trucs en plus.
J'aurai bientôt plus de pylônes pour me... De piliers, là, pour me protéger. Ah, punaise! Il m'en reste que deux. Je sais pas. Mais laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi juste me poser. Je prends juste une arme pour te tuer, et puis après, c'est bon, quoi. Et puis il y a bien des sorts pour être invisible, mais je sais pas. Ça se trouve, il faut juste péter les trucs. Non, ça m'étonnerait. Bon, alors. Non, mais... Non. Il y a une marque, là, ça m'intéresse, c'est quoi? Marqué quoi? Je vois pas. Loué soit le soleil en vue. Hein? Putain, il y a... Ça y est, ah si, il en reste encore un. Il y a un copain qui tient debout. Bon, allez, on s'en fout. Inventaire, équipement... Ouais, je suis en train de me faire déglinguer, mais je... Ouais, bon. Bah, écoutez, j'ai essayé de lui taper dessus, je vois pas ce qu'il faut faire. Il est énorme, le truc. Bonsoir, Miss Huitso. Ça va, et toi? De où il détruit les colonnes? C'est cher, non, mais... Ouais, non, mais attends. Le mec, il a aucun respect pour nos chers monuments. Alors... Bon, bah, du coup, je vais avoir tout le temps de regarder ce qu'il m'a filé. Il m'a filé quoi? Ah, le maître des tempêtes. War Info, un espadon connu sous le nom de tueur de géants. Oh, dont la lame brisée abrite des vestiges du pouvoir des tempêtes capable de mettre un géant à genoux. Yorm, le géant... Ouais, parce qu'en fait, c'était chelou, je trouve, que l'épée, elle soit donnée comme ça... Comme ça au boss, qu'elle traîne par terre. Par contre, ils auraient quand même pu laisser un moment pour s'en équiper. Ah, on va voir ça. Intéressant. Je pense pouvoir dire sans trop me montrer qu'il est gros. Dis un os de retour, Manu. Tu resteras en vie, tu retourneras à feu. Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé du tout. Les os du retour, c'est marrant, hein. C'est des trucs les plus pratiques du jeu, quasiment, mais c'est des trucs auxquels je pense le moins. Voilà, allez, éclate-toi, toi, avec le sol. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, c'est forcément ça, faut utiliser cette arme pour le tuer, quoi. Ce qui, pour le coup, me rappelle un boss de Demon's Souls. C'était pareil. Il y avait une arme spéciale qui pouvait le tuer, c'est un énorme boss volant. Il était tout simple. Il était vraiment tout pourri. Mais il fallait trouver cette arme, s'en équiper, et le viser en l'air. Parce que oui, c'était une arme à distance en fait. C'est une épée, mais qui attaquait à distance. Avec des pouvoirs du vent, ça ressemble beaucoup à celle-ci, oui. Bon. Une épée ventilo. Pratique en été. Alors par contre, attends. Ouais. Non, mais comment j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure, j'ai eu un truc de fou. Ah, merde, mais... Ouais, d'accord. J'ai utilisé mon... J'avais oublié. J'ai utilisé mon pouvoir, là. Ma mana. Bon, on va voir si ça marche. Ce que je peux dire, c'est qu'avec une épée classique, c'était pas vraiment un résultat très concluant. Ce qui est bien, c'est qu'avec les géants, on peut aller dans leurs pattes. De la merde, oui.
quoique. Ça ne met pas à genoux, je sais pas. Forcément un truc à faire, il y a forcément un truc. Il y a une espèce de poussée, je sais pas quoi. Je peux pas viser les jambes directement, non, je peux pas. Hein. Je me serais joué dans ma tactique. Je sais pas. Là, je vous avoue que là, si Guillaume avait été là, j'aurais bien voulu. Allez! Ah, mais j'étais tellement sûr que c'était ça. Mais comment je fais pour le tuer, ce truc? Il a 15 000 points de vie. En ce moment, Bahama, je joue avec le fouet. Et j'ai entendu dire que le fouet, il était cool à manier. Tu confirmes? Tu fais quoi avec un fouet? Je tue les méchants. Faut la charger comme tu l'avais fait. Bah, problème, c'est que j'avais plus de mana. Ben oui, je pense que c'est ça. C'est que si vous savez, avec des antibiotiques. Du coup, je pouvais plus la charger. Ou alors. Non, non, pas de demain, non. Bon, du coup, je vais économiser ma mana. Bah oui, parce que je m'étais. Alors attendez. Je vais en profiter d'être au feu pour m'entraîner un petit peu. Je sais, 6. Je sais comment le tuer. Oh mon dieu. Little Unicorn Pro Astuce Solus. C'est là que tu te dis que j'aurais dû peut-être mettre un tout petit peu plus de points dans ce qu'on appelle le PC, la magie, là. Ah, mais attends. Ah, si je fais ça au bout d'un moment, oui, ça le charge, effectivement. Est-ce que je peux avoir plusieurs niveaux de charge? Comme dans Zelda. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas trop. Elle a pas besoin de mana? D'accord. Mais qu'est-ce que ça parle de fouet? Bah parce que c'est Mishitsu et que... Mishitsu, il aime bien quand ça fait mal. Alors, on y va. Hop! Après une petite séance, il va chercher des trucs en ferraille dans les bois. Bah, il aime bien se faire fouetter un peu. D'accord, donc il n'y aurait pas besoin de la charger en fait. Enfin, pas besoin de la charger, pas besoin de mana pour la charger. On va voir ça. Faut le trouver en tout cas le truc. Enfin, si c'est ça, je trouve ça chaud quoi. Bon. Il va plus m'en rester des masses, des braises si je fais le con comme ça. Il y a des fioles. Bon. On va voir si c'est ça. Oh, mais oui, c'est ça! Ouais, effectivement, on dirait que ça m'a pas usé d'endurance, hein. Bon.
Il veut plus attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, il s'est mis en mode vénère là. Aïe, 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 aïe. Putain. Oh non! J'arriverai pas à la placer, hein. J'arrive même pas à me soigner, quoi. Alors. Allez, si je fais ça encore une petite fois, bien que j'ai plus de vie, donc ça devient chaud, c'est bon. Ah, j'ai pas réussi. Mais pourquoi ça l'a pas chargé? Pourquoi ça l'a pas chargé? Non, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ok, très bien, j'ai compris. Ah, merde. Bon, ça, en fait, il est hyper simple. Il est hyper simple. Ouais, mais faut le comprendre, le truc. Il faut charger l'attaque et tout. Enfin, c'est expliqué nulle part. C'est pas une façon de procéder, normalement, dans Dark Souls. Enfin, bon. Très bien. Allez, Numa. Désolé, je vous ai déçu. Ah, mais c'est pas grave. On va recommencer, on va le mettre à terre, le truc. Maintenant que j'ai bien compris comment il fallait faire. Bien que, je sais pas, des fois, l'épée, elle est rechargée. Et quand je lance le coup, ça se fait pas. C'est ce qui s'est passé à la fin. Ah bah non, 7. Et des fois, en fait, alors que je pense que je n'ai plus la charge, je l'ai encore, et il attaque. Avec une arme cheatée, c'est sûr. De quoi? Vas-y au fouet, c'est plus drôle. Mais je peux pas! Je pense qu'il est invincible si tu n'utilises pas la bonne arme. Je sais pas si t'étais là, Mitsuto, quand j'ai essayé de l'attaquer à la régulière. Le truc, il s'en fout de toi. Ça y fait sa vie. Il faut que j'apprenne son pattern aussi. Oh non, mais fais chier, putain! Avec son espèce d'aura de merde là. En fait, une fois que je l'ai chargé, si je lâche la touche de défense, elle aurait chargé, on dirait. Ah mais oui! Intéressant ça. Bon, je suis remort. Merci à la caméra au passage. Ah d'accord. Donc en fait, ah ouais, il garde la charge. Je sais pas combien de temps il garde la charge, mais il garde la charge. C'est ça qui est drôle, mais que ça fasse rien, ça entraîne. Oui, mais enfin, ça fait rien de rien. Hein. Je veux dire, tu vas pas aller très loin, quoi. Après, oui, question d'entraînement, ouais, ça va.
Comme poteau d'entraînement, j'ai pas connu mieux que le gros géant qui veut te couper en deux avec son hachoir. Mais bon. Putain, je suis désolé, je reste sur ce que je disais. Je trouve bizarre ce Dark Souls. Et je suis vraiment, vraiment pas fan, quoi. 8, allez, bim! Attendez, il n'y a pas eu de boss hier, mardi. Il n'y a pas eu de boss. Du coup, j'ai pas pu mourir comme je voulais. Je suis mort par des ennemis lambda et c'était triste. Donc allez, faut que je me rattrape maintenant que je meurs sur des choses. Allez! Je vais récupérer mon truc. Et mais regardez, il est tranquillement assis sur son trône là. Wesh. Alors. Voilà, là c'est fait. Maintenant, j'ai juste à l'éviter. Oh putain, mais non! Voilà. Quand il fait son espèce d'attaque à la con là, qui te balaye tout, mais c'est galère. Non, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais monsieur! Parce que tu veux plus la faire ton attaque? Ah, ça y est. Voilà. En fait, on lui laboure les couilles, hein. C'est le mot. Voilà, on va attendre. Allez. Putain, il m'a refait son attaque à la con. Oh, chier. Oh, il m'a touché, je pensais pas qu'il me toucherait. Ah, il m'a tué, non! Oh, punaise, quoi. J'ai avancé, Bahama, j'ai trouvé le premier feu des catacombes. Ah, mais t'en es aux catacombes, toi? Ah mais ça va, t'arrives tout doucement là où je suis. Tu vas pouvoir bientôt galérer comme je galère. Ah fais chier. Le boss c'est tout simple, c'est con. Bon allez. En plus il me reste du temps, c'est bien. C'est-à-dire après ça, je sais pas où je vais aller. Il y a Karian qui va me dire va Norlando. J'ai quand même envie d'essayer les profondeurs là. J'ai quand même envie d'essayer à Norlando aussi. Ouais, j'irai à Norlando. Parce que j'en ai un peu marre là, des environnements confinés comme ça où tu peux pas respirer. Voilà. Si vous êtes asthmatique, je pense à vous, messieurs, dames. Alors, hop là. Alors, non. On ira dans un environnement ouvert, avec de l'air frais. Moi, je fais l'amour, pas la guerre. Bon, ça correspond tout à fait à Bilouret, ça. Bonsoir, Bilouret. Allez, Bilouret, viens nous faire l'amour. Alors, bim. Tu galères, c'est comme ça. Il est super dur hein, en vrai cet épisode. Honnêtement, j'ai jamais galéré autant que ça sur un Dark Souls. Même sur Demon's Souls, même sur Bloodborne, quoi. Bloodborne, encore moins, il est très simple, Bloodborne, je trouve. Ah, mais il me touche à chaque fois, c'est vrai, mais... Ah, d'accord, j'ai trouvé ce qui me dérange, c'est qu'en fait, je perds le lock. Je sais pas pourquoi, mais il se déloque. Alors, je dis pas qu'il soit poil, hein, je dis qu'il se déloque. Alors, vas-y. Mais merde! En plus, vas-y, d'essayer d'attaquer un ennemi, alors que toi tu vois que ses pattes, et qu'il est en train de t'attaquer tranquille, mais toi tu le vois pas. Voilà. Alors là, il va s'énerver. Un gros, pas content. Alors là, je vais attendre. Tout à l'heure, quand je lui ai fait ça, il a pas voulu, hein.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh putain. C'était tellement badass. Par contre, ouais, je perds le lock. C'est quoi ce jeu de merde? Allez! Et vous avez vu la double esquive que je viens de faire? Ah, là, il a gardé le lock en plus. Ah putain! Non! Non! Mais il m'a retué! Mais c'est pas vrai, punaise! Oui, à Orlando. J'ai hâte que les multis se généralisent, que tu puisses m'aider. Ce serait avec plaisir, Mizuitsu. D'ailleurs, je te demanderai volontiers ton aide. Ah, là, punaise. En plus, il est simple, c'est ça le pire, c'est qu'il est simple, mais enfin, c'est les problèmes de gameplay et de caméra qui font que... Parce que oui, il est assez simple, quoi, mais j'arrive pas... Quand il me tue, je comprends pas comment. Il me fait une attaque qui est très rapide avec son poing. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est une... C'est une attaque qu'il acquiert. Voilà, vas-y. Lui, il va finir par me tuer. Oh, pas loin, là. Pas loin, monsieur. J'ai l'impression que c'est une attaque qu'il acquiert juste en évoluant à la toute fin de sa vie. Bon. Putain. Toutes les braises que j'aurais consommées, quoi. Et là, si je fais comme ça, que je la charge à l'avance, que ça marche. On va voir si ça reste chargé longtemps, ce bordel-là. Ah, puis mon âme, elle est bien là-bas, quoi. Bon, bonjour, monsieur. Voilà. Un autre truc qu'il faudrait que j'étudie, c'est de savoir... Ah, savoir à combien... Quelle portée ça a, ce truc? Est-ce que je suis obligé de lui coller au cou que je fais, là? Puis tout à l'heure, je le colle au cou, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors là, on va essayer. Ouais, mais non, mais là je suis juste à côté, quoi. En fait, c'est son putain de combo du poing que je crains un petit peu. Il me tue en deux coups avec ça. Et puis à la fin, pour témoigner, bonjour quoi, hein. Voilà. Je vois pas. Caméra 2. Caméra. Le lock, s'il vous plaît, le lock. Le lock, putain de jeu de merde. Le. Là ah. Pardon, Janine, on a perdu le lock. Ouah! Allez, ça charge ou pas? C'est chargé ou pas? J'en sais rien. Ah, ça y est, là, c'est chargé. Voilà, il m'a chargé la gueule aussi. Passage. Ouais, bien. Ah non, là, non, alors là, c'est... Ouais, non, mais cette attaque, elle est pas très cool, parce que j'arrive pas à la parer. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Ah, merde! Putain. Allez, ça, j'ai... Ah, voilà, allez, vas-y! Oh! Il a jamais été si proche de la fin de sa vie. C'est trop simple. Avec une arme comme ça, forcément. Cendre d'un seigneur. Âme de Yorm le géant. Et ben voilà. Pff. Oh, c'était trop facile. Alors, je vais reprendre mon épée. Parce que... Ça en fait combien, cette épée-là, en fait? 50... Ben moi, c'est celui-là que j'ai, hein. C'est l'Ultra Espadon. Non, c'est pas l'Ultra... Oula, non, c'est pas l'Ultra Espadon, le truc, il est énorme, j'arrive pas à le manier. Celle-là, ça fait... Ben non, elle est pas...
C'est pas la plus puissante des lames que j'ai vues, quoi. Mais c'est pas... Ah non, c'est celle-ci, voilà. Non, non, c'est pas celle-ci. Où est mon arme? Rends-moi mon... Attends. Ouais. GG, merci. Est-ce pas donc exilé? Putain, il faut que je fasse du tri là-dedans, quoi. Ah, c'est ça, Espadon du Bourreau. Ah, il me semblait qu'il avait une skin un peu plus large que ça. Ah, alors qu'en fait, elle est grosse, cette arme. Bien! J'ai des bans définitifs de mon serveur préféré. Bon alors? C'est quoi ce bordel? Alors, ouais. Lire le message. Lire le message. Ah, vous ne méritez pas ça en vue. Vous méritez. Vous avez vu tous les cadavres autour? Ouais, ami en vue. D'accord, les gens étaient contents de le battre, hein, visiblement, lui. Non, mais je vais où? Putain, ça veut dire que c'est la fin. Enfin, c'est pas la fin du jeu, hein, c'est la. C'est. J'ai battu un seigneur, donc là. Mais il y a un truc qui me gave. C'est que. Katarina, je ne l'ai pas libérée. Elle est forcément dans la zone. Je suis désolé, je sais. Je vais regarder sur une soluce carrément. Bon. Alors lui, il est là derrière, c'est ça? Ouais, bon, ça va, il peut pas me rejoindre. Il n'y a pas trop de danger. Alors, Katarina, Dark Souls 3. J'espère qu'ils vont mettre quête par quête. Et que je vais pas me faire invoquer. Pas invoquer, envahir. Ah, ouais, je crois que j'ai trouvé une solution sur sa quête. Alors. Ouais, ah oui, c'est bon. En fait, j'ai très bien avancé tout seul, hein. Clé de la vieille cellule dans le couloir. Ah, ça, j'ai trouvé. Dans la capitale profanée, utilisez l'échelle qui se retrouve. Qui se. Re... Si... La capitale profanée, donc là où c'est. Utilisez l'échelle qui se trouve. Ah! Dans le marais toxique, de la montée sur le toit. Capitale profanée. Utilisez l'échelle qui se trouve dans le marais toxique. Un espadon, c'est un poisson. aussi, c'est pas faux. C'est pas faux. Le César demain de quoi? Qu'est-ce qu'il parle lui? Ah, parce qu'il porte le truc. Ah, c'est vrai que putain, le mec, il est costaud quoi. J'avoue que le mec qui est dessous, en plus, ça doit brûler un peu aux mains. Est-ce que vraiment, ça se trouve? C'est quoi ça? Ouais, il n'y a pas de mur illusoire, mon cul. Ah, tiens, allez. Non, non, pas bon. J'applaudis pas. Je le dénigre. J'allais dire, si ça se trouve, il y a réellement un truc si je tombe tout en bas, là. Non, mais c'est bizarre, c'est chelou. Il y a juste un seul message pour te le dire. Trésor droit devant. Je le savais de toute façon. Je vais à Lyon bientôt. Yeah! On la verra sur le live. Si elle veut. J'essaye de la convaincre en ce moment. Attends, ma capitale, Dark Souls 3. 3, marais. Ils sont où les marais? J'ai loupé un nœud. Non, non, ça c'est gaming live, je vais pas aller sur. Comment c'est déjà ce truc là? C'est.
Capital profané. Capital profané, Millennium. Pourtant, non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici. Hein. Ah non, attends. Ah si, ah, si, j'ai loupé des trucs. Oula, c'est quoi? C'est où ça? Hôpital profané. Maintenant vous êtes sorti du donjon d'Irithrie, empruntez le pont en pierre sur lequel se trouve une gargouille géante. Reculez, attirez-la sur un champ de bataille. Hein? Bon, visiblement j'ai raté quelque chose ici, j'ai pas bien compris où, mais c'est pas grave. Le Jean Marais. J'irai exprès à Lyon, mon papa venu. Si je joue à Dark Souls, Unity, tu vas en avoir des morts là, à compter. Eh, ça pourrait être marrant, on pourrait faire un truc comme ça. Mais sans se moquer, parce que Dark Souls c'est vachement dur pour une néophyte surtout. Quand tu manies pas trop la série, je conçois que les morts doivent s'enchaîner très facilement. Non, en réalité, j'ai demandé à Véro, elle a dit qu'elle était d'accord pour faire quelques jeux avec moi. Mais je sais pas lesquels encore. Je vais essayer de trouver des petits jeux sympas à deux. Je pense à du Donkey Kong par exemple. C'est cool les Donkey Kong, les derniers qui sont sortis sur Wii U là. J'ai pas fait en live, ce serait intéressant. Bon, c'est pas vraiment un jeu d'actualité, mais c'est pas grave. Hein. Allez, je récupère mon truc. Voilà. Et vous savez quoi? J'ai pas envie de les perdre ceux-là. Je vais vite les placer mes points là. Je vais vite les placer. Et hey, en même temps, je vais aller parler à la femme là. C'est. Parce que c'est quoi ce bordel là que j'ai sacrifié Henri? Oui, je sais, elle s'appelle pas Henri, c'est plus Anari ou un truc comme ça. J'ai jamais touché une PS, moi. Ah! Ce sera la première fois, vous imaginez. Après, elle pourra plus s'en passer. Bon, bah ouais. C'est étonnant, j'ai réussi à louper un endroit. Dans ce lieu où pourtant il n'y a pas l'air d'avoir des masses de passage, mais bon. Ah oui, elle a pris beaucoup de temps cette pauvre machine. Ah non, je crois que c'est. Tu es même un tout petit peu trop présomptueux, c'est que son temps est désormais révolu. Enfin non, on dit révolu quand elle a eu un temps juste avant et elle n'a jamais réellement vécu hein, cette console. N'empêche qu'il y a des jeux qui sont cool dessus. En vrai, sincèrement. Mais bon, alors est-ce qu'il y a... Ah non, il n'y a rien qui est apparu sur le trône. Je me disais qu'avec un peu de chance, les mecs que je tuais, les seigneurs... Ça c'est le trône... Voilà, Yorm le géant. Bon, effectivement... J'ai planté Yorm. Il m'a poussé un tout nouveau, tout neuf, tout beau. Je sais pas ce que je viens de faire. Je sais même pas si c'est une bonne chose de l'avoir fait. Je suppose que oui. Attends, est-ce que... Alors ça, c'est qui? Veilleur des abysses. Mais j'avais pas vu ça. Ah oui, Veilleur des abysses, comme c'était plein d'ennemis. Il a mis plein de crânes, logique. T'es le mec, il a des... Il se balade avec des crânes dans sa poche, il n'y a pas de problème. Très bien. Ça, c'est qui, déjà? Aldric, le saint des profondeurs. Je sais même pas si je l'ai tué, celui-là. Il dit rien. Non, visiblement, non. Eh, mais c'est que j'approcherai Tipa un petit peu de la fin? Ludless, l'exilé. Ah, c'est lui! Pardon, c'est vrai, lui, il donne des trucs.
Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu me proposes contre les dernières âmes que j'ai chopées, là? Alors, lui me donne le grand bouclier de Yorm, l'œil gauche du grand maître. Ah ouais, les attaques successives restituent des PV, ça c'est pratique. Point du démon. Ouais. Faudra que je m'en occupe de ça aussi. Oh! Ah merde! Alors ça c'est chiant. En gros, avec une seule âme. Enfin, avec une seule âme, il y a deux objets, voire plus, que je peux faire. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir faire des NG+ pour tout récolter. Vous voyez? Là, la grande machette de Yorm et son bouclier. Je peux en faire qu'un seul, puisque j'ai qu'une âme. Ouais. Ouais, ouais. Allez, je vais voir ma copine. Salut. Allez, je touche l'obscurité qui t'habite. Je lui mets un doigt dans le cul. Alors, dextérité. Non, c'est pas ça, dextérité, j'ai dit. Voilà. Comme ça, je gagne un petit peu en puissance d'attaque. Puis, ouais, j'ai besoin surtout pour manier l'arc, là. Combien il me faut? Ah, mais attends. C'est que je pourrais même prendre deux niveaux, là. Puisqu'en fait... C'est quoi, ça? D'accord. Parce qu'en fait, j'ai récolté, voilà, la grande âme du guerrier épuisé. Ça doit me rapporter pas mal d'âmes, ça. Ah bah oui, 8000, c'est bon. Supérieur. Hop, un petit peu de dex encore. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Kyrian? Qu'est-ce qu'il a dit? Désolé. Tu as vu que tu peux la faire marrer avec les emotes, ta copine? Ah non, j'ai pas vu. Attends, il faut que j'essaye ça. Merci, Miss Pizzo. Je sais qu'on... Dans Bloodborne, je crois qu'on... Ouais, ça marchait avec quelques emotes. Elle réagissait. Alors attends, on va essayer. Je vais me recroqueviller. C'est genre, elle a eu honte, là. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez la tête. Pointez vers le haut. Regarde. Hop. C'est là-bas. Ah, elle s'en fout. Saut de joie. Je l'ai frappé au passage. Saut de joie. Bim. Arc. Oh, elle me salue, c'est mignon. Joie. Là, elle fait un petit rire gêné, j'aime beaucoup. Grand fou. Tester maintenant. Alors, changer. Alors, j'ai quoi? J'ai me prosterner. Attends, non, j'ai... Se recroqueviller. Non, non, va pas essayer. Ah, si. Bon, bah, quoi. Changer. C'est quoi celui-là? S'étirer. Putain, celui-là, j'ai pas essayé. Non, mais non. Vas-y. C'est normal. C'est tout à fait normal. Tester maintenant. Non, pas ça. Non, mais non, mais je me suis gouré. Je voulais faire changer. Trinquer. Allez, je peux trinquer, vas-y. Allez, petite bibine. Ah, lui, quand il trinque, il fait pas semblant. Hein. Oh. C'est sympa. Ah, Miss Fitzo, maintenant que tu m'as dit ça, je pense que je l'avais rêvé différemment. Ça va vraiment devenir une grande copine. Alors, l'accroupissement de pattes par mon épée, saluer dignement. Tiens, saluer dignement. Là, elle va réagir, je pense. Ouais, elle me l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Changer. Bienvenue. Merci. Salut de duel, saluer dignement. Ah, pas un truc marrant encore, prier. Enfin, moi, je voudrais essayer de se prosterner, voilà. Ouais, elle est gênée. D'accord, ouais, elle a quelques réactions. Enfin, c'est marrant. Bon, je vais aller voir mon autre copine, on va dire. Toujours pas revenu, hein, lui. Non. Elle, toi, là, c'est quoi ce bordel? Ah, I presume my home
L'échange des vœux, j'ai foutu l'échange des vœux dans la gueule. D'accord. Je sais pas ce que tu me dis, je comprends pas. Elle a rien gagné comme objet. Bon. Vous avez, ouais, vous avez échangé les vœux. Ah putain, tu parles de l'échange de vœux, une épée dans la gueule, quoi. Bon, bah allez, c'est parti, je retourne là-bas, je vais voir si je trouve pas ce fameux marais. Le marais, normalement, j'aime pas trop, hein, d'ailleurs. Capitale profanée. Manu, ne drague pas. Mais elle a fait un tour sur elle-même. Elle est mignonne. En plus, elle fait des petits rires gênés. Faudra faire la même chose, Véro. Bon, alors. Est-ce que j'aurais loupé des trucs? Tiens, genre là. C'est quoi, ça? Si je saute ici, il y a quoi? Je peux sauter ici sans me faire buter. Eh, attends. Là, non! Non, je ne peux pas. Alors, merde, quoi. Je voulais pas sauter. Je voulais pas, il a glissé. Tarba. Alors, bah c'est cool, on me redonne mon âme direct ici. Je peux pas aller sur le bord, là. Il y a forcément un endroit où je peux aller. Là. Bon, cherchons la route des marais. Eh, attends. Hop là. Eh, mais peut-être que je peux le choper, le truc, comme ça, non? Que dalle. Alors là, il y a une échelle. Là, il y a quoi? C'est quoi, ça? Eh, mais attends. Eh, mais ouais, je connais pas ici. Moi, j'étais passé par un autre trou. Ah, d'accord, ça descend. D'accord, je vois. Ah, bah voilà, j'ai ma réponse. Et normalement, bah oui, c'est sûr. Parce que j'ai plus de cheaté. C'est normalement, c'est là que je peux retrouver Catalina. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut aussi. Bonne nuit, tout le monde. Ciao, Obama. Bonne fin de live. Merci à toi, Miss Fitzo. Des bisous. Et à bientôt. Et là, ah, et là, je récupère le truc. Pièce rouillée, putain. Ah, là, il y a des... Alors, je vais pas descendre tout de suite. Je vais pas descendre tout de suite. Je vais aller voir ce qui se passe par là. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai plus mes... Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai plus mes potions. Voilà! Protège bien, hein, petit enfoiré! Alors, regardez quoi, vous, là-haut? Oh mon dieu, il neige, jamais ça brûle! Ouais, je fais les voix des statues, moi. Là-bas, il y a un truc aussi, un objet qui brille. Lézard droit devant! Ah, putain, petite tarpa, bah, viens là, viens là! Non! Oh! Oh! En plus, je l'ai dit, hein, que quand il y avait des lézards, il y avait des pièges. Mais non, non. Bah non. Ah putain, je suis intoxiqué! Oui, bon, c'est... Ok, j'ai trouvé les marais. Y'a pas de problème. Je sais où c'est. Voilà. Oh putain! Ah, mais non, mais stop! Deux coups, trois victimes. Eh, pas mal, hein. Voilà. J'aime bien, j'aime beaucoup leur petit cri de fan. Ah, mon dieu, mais c'est Patrick Bruel. Allez. Hop. Bon, je vais arriver où, là? Ah, mais intoxiqué, c'est pas du poison, en fait. C'est une autre forme de poison, un peu plus costaud, j'ai l'impression.
C'est quoi ça? Empoisonne, ouais. C'est ça. Ça c'est quoi? La congélation. Saignement. Ouais, bon bah je vais devoir attendre que ça passe. Non, je peux pas attendre que ça passe. Waouh, attends, c'est quoi? C'est super long. On la voit, la jauge, elle diminue toute lentement. Pierre de purge. Je vais aller là-bas. Pas un anneau de fer rouillé. En tout cas, je l'ai pas trouvé pour l'instant. Mais oui, c'est vrai que ça m'aiderait bien là pour naviguer un petit peu dans la flotte. J'aime empoisonner. Ah, là, je vais un peu plus vite. Je vais juste récupérer ce truc-là. Faire en sorte de me barrer assez vite. Ouais, c'est pas comme... Ah non, une morsure modulée. C'est pas comme si j'avais... plus que 3 fioles d'estus. Et que j'ai aucune idée de s'il y a un peu un feu ici. Mais je pense que si je peux retrouver Catalina, c'est par là, ouais. Attends, y a peut-être un endroit où je suis pas allé. Ouais, y a quelque chose. Voilà. Oh, je suis à la moitié. Sans deck. Je suis qu'à la moitié de la jauge là. Pierre de confession, je sais pas quoi. Tiens, de purge, il faudrait un feu. Il faudrait vite un feu. C'est quoi ça? C'est un raccourci, je sais pas. Oula! Ouais! On va copiner un peu plus tard, hein, toi et moi, monsieur la main. Ou madame, je ne sais pas. Grimper, ouais, bon, là, on s'en fiche. Il y a bien un moyen de revenir au feu, quand même. Une espèce de brèche. Je vais aller dans la brèche. Mais en fait, il y en a plein d'ennemis bizarres. En forme de... Je faisais plus du tout attention. C'est pas grave. Je faisais plus du tout attention à ma barre de... À ma barre qui de vie. Enfin, ma jauge de vie qui baissait de plus en plus. Tellement j'étais captivé par ce monstre-là. Salut Océane! Catalina, elle fait pas partie d'une quête avec le chevalier à la tête de lion. C'est lui en fait! C'est Catalina. Enfin, c'est le même que dans Dark Souls, mais. Enfin, c'est le même. C'est la même armure. Mais lui, c'est Sig. Je crois que c'était Siegfried, ou hein, lui, c'est Sigmund, je sais plus. Non, c'est Sigward, lui. Ouais, Sigward de Catalina. Comment je fais pour. Ah bah attends, il y a une échelle là. Ouais, voilà. On va y aller doucement. Je vais même pas me taper la gargouille qui vient. Voilà, on va la laisser s'éclater toute seule, comme une grande. Et je vais plutôt aller par là. Zone sûre, ouais. En prenant cette fois-ci garde au trou qui est là-bas. J'espère que j'aurai une chance de récupérer mon âme aussi. Oh! Voilà! Une titanie scintillante. Ah, et c'est comme ça qu'en fait je peux récupérer celle-ci. Une autre titanie scintillante. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune de mes armes, pardon, qui nécessite que j'en utilise, putain! Intoxiqué, fait chier.
Non, mais c'est ma faute, hein, aussi. J'ai pas été très prudent, là. Je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher. Je vais vite grimper à l'épée. Putain, à l'échelle. Je dis n'importe quoi, moi. Je vais vite grimper à l'échelle et... Puis je vais voir si je trouve pas un feu ou un raccourci, je sais pas. Bon, eux, visiblement, on peut les tuer. Ou pas. Attends, faut peut-être viser à l'intérieur de la bouche. Il y a l'air d'y avoir quelque chose. Ou sur le ventre, tiens. Bizarre, ces trucs. Il m'a becté. Il m'a bien becté. Ouais. Tiens, là, il y a... Alors, j'en crois la science du Carian, c'est un mimique. D'accord, une robe de sorcier. Détritus. Là, y a rien. Tiens. Oh, c'est bizarre cette salle qui ne sert à rien. Et là, je reviens où? Ah ben voilà. Et là, je reviens ici. Ah oui, mais je peux pas. Ah oui, mais je peux pas revenir. Il n'y a pas un feu là plus bas? Voilà, le truc est mort tout seul. Très bien, ça m'arrange. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'ils font, eux? On dirait qu'ils jouent du Vuvuzela, mais genre gigantesque. Ben, attends, il me reste combien? Il me reste deux fioles. Ouais, le poison, il n'est pas encore dissipé loin de là. Ah, mais voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, mais oui, je vais pouvoir retourner au feu, putain. Regarde pas le chat vilain. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai loupé quoi? Manu? C'est juste pas lui va me voir. Je tiens à dire que je suis un mec à fin. Et c'est beau! Ah, t'as vu ça? Merci! Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai malencontreusement, mais en fait je vais laisser comme ça, pousser un peu trop le live. Et du coup, ouais, vous avez du 1080 quoi. Enfin. Véro Manu, une fille là-dessus. Non. Allez, c'est parti. Bon, va falloir que je fasse gaffe aussi. Il y a des trous partout dans leur donjon là-bas. Manu veut plus de flic. Manu veut plus de flic, effectivement. Allez! Putain. Quelle heure il est. Wow. Bon, j'aurai eu le temps d'affronter un boss et ça s'arrête là, ce sera toujours ça. Là, je peux pas y aller parce que, ouais, il y a l'autre trou. Il faut vraiment que je sois prudent, j'ai été imprudent tout à l'heure. On voit pas le trou, remarquez, c'est bien foutu, regardez. On voit pas le trou, hein. Il est juste en haut de l'escalier, quoi. Ce qui fait que la chute est encore plus douloureuse. Bon, il y a forcément Sigward là dans le coin. Et si ça se trouve, il m'aurait aidé à tuer Yorm. Si j'y avais été avant. Seulement, j'avais pas trouvé cet endroit. Pièce d'or rouillée. Ok. Je
Il y a un truc là-haut, je sais pas ce que c'est. Il y a un personnage, non? Je sais pas. Ah, touffe de lichen fleuri. Donc c'est ça qu'il faut pour se débarrasser de cette malédiction là. Mais j'ai... Attends, j'ai pas un autre moyen de... De progresser dans le donjon. Attends, et là, si je monte les escaliers, c'est là où il y avait le cadavre, hein, ouais. Mais je suis obligé d'aller dans le... D'accord. Ok, je suis obligé de tomber, en fait. Bah, quitte à tomber, on va... faire une victime, voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai un soin en fait pour l'intoxication. Trio droit devant. Putain, effectivement. Oh putain, il me continue à me suivre lui. Alors eux, je peux pas les tuer donc. Pierre de purge. Bon bah je vais remonter. Je comprends pas trop. Ces lieux sont assez bizarres. Là-haut, j'ai rien vu. Après j'étais un petit peu paniqué vu qu'il y avait le gros bébé main qui me poursuivait. Voilà, là je vais reprendre une petite touffe de lichen fleuri. Tac. Il est où? Voilà. Ce qui fait que ça s'est inversé. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je pouvais aller là. Là, il y a lui. Oh, il y a un truc au-dessus. Mais je pouvais aussi prendre des escaliers qui sont à droite. Oh, punaise. C'est quoi, ça? Wouah, magicien! Parchemin de Logan, qui est encore une petite ref à Dark Souls. Oh, essayez saut. Effectivement, là, je peux sauter. Je peux faire un saut. Allez, c'est parti. Hop là. Quelle heure il est? Ouais, c'est bon, il me reste du temps. Il me reste un petit peu de temps. Oh, Katharine! Ah, génial! Ah oui, il est là. Alors, salut. Vous êtes mon ange gardien. Mais oui, le mec, il se retrouve à poil, il se retrouve enfermé, enfin, dans un puits, tout ça. Tablette de titanite. Oh, la classe. Bah, ok. Bah ouais, si tu veux. Et oh putain! Attends, ah non, l'anneau convoité. Attends, l'anneau convoité. Non, je crois que ça m'intéresse pas en fait. Parce que moi j'ai un anneau qui me permet. Ouais, c'est le serpent argenté doré, je crois que c'est. L'ennemi est susceptible de fournir plus de butin. Non, ça me. Non, ça me plaît pas. Je pensais au début que c'était l'anneau. L'anneau du serpent argenté plus 1 en fait. Ça fait que j'aurais eu encore plus de. D'âme. Et dire que j'ai failli passer à côté de cet endroit, quoi. Flèche empoisonnée. Alors là-haut, oui, on peut grimper. Oh, attends, je pense qu'on peut aller là-dedans. Ouais, parce que là, il y a un objet. Comment je fais pour... Ah bah voilà, tout simplement. Hop là. La colère des dieux, d'accord. Ce qui m'a l'air d'être un sort ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai pas terminé. Toi, tu dégages. Ils sont trop durs à tuer, ces trucs-là.
J'ai pas terminé, il y a encore des trucs à trouver là-bas. Alors de ce côté-là, je pense que c'est bon, hein. Des fois qu'ici est petite âme, non, que dalle. J'ai trouvé un raccourci là, je pense, non? Ça a l'air de remonter. Ouais, voilà, ça a l'air de remonter au donjon de l'Érythrée, j'allais dire. Et juste à ce moment-là, bim, attention, arrière. Quoi? Quoi? Pourquoi arrière? Qu'est-ce qui s'y passe? Attends. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, on va l'évaluer celui-là. Oh, ma barre de vie. On va l'évaluer. Parce qu'il m'a bien aidé, il m'a bien aidé quand même. Ah, je les avais oubliés, ces ennemis. Et franchement, c'est pas un plaisir de les retrouver, quoi. Ah, et là, il y a les rats. Bah oui, bien sûr. Ah, ouais, non, hein, c'est ça en fait. On revient là où il y avait Katarina. Ça c'est quoi? Clé du géolier? Il y avait encore une porte qui était fermée. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Il y avait encore une porte qui était fermée là-dedans. Bon, on va aller voir. Est-ce qu'il reste que quelques minutes de live? Il reste 2 minutes en fait. Mais bon, allez. Je vous en offre un peu plus. Je suis généreux. D'ailleurs, Logan apparaît dans ce Dark Souls. Dans ce, Dark Souls, non, je crois pas. Pour l'instant, j'ai pas vu. Puis en général, quand c'est des. Quand on trouve des sorts comme ça, c'est plus du fanservice, quoi. Comme je viens de trouver un de ces sorts ou je ne sais pas quoi. Ouais, je suis pas magicien, moi, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Ah, puis il y a ça aussi à affronter. Ouais, mais lui, il va me faire chier, là, non? Bon, on va voir. Ouais, même si c'est un piège, je tiens à l'affronter. Parce que il donne des objets en fait. Et des fois des très bons objets. Catalyseur de Logan, voilà quand on parle du loup. Et là, décidément. Là par contre, c'est curieux. Je pense qu'il y a un personnage qui peut apparaître ici. Que je n'ai pas. Lui, on va essayer de l'esquiver tout doucement. Ok, il a rien vu. Il est en train de regarder le paysage. C'est un poète. Bon, bah très bien. J'ai fait ce que je voulais faire. Ceci dit, la quête de Katarina n'est pas terminée. La tablette qu'il m'a donnée, c'est pas la fin de ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a encore quelque chose, je sais pas si je l'ai loupé. Si ça se trouve, il pouvait venir en aide à tuer Yorm là. Je sais pas. Je regarderai ça. Et là, je vais essayer d'ouvrir une porte avec ce que je viens de trouver. Donc, dans le donjon d'Irithril. Barbie répond sur Gully. Très bien. En gros, Manu, il s'en fout vu que c'est un chevalier du coup. Exactement. Tout ce qui est magie et tout, je m'en fous un peu. Bien que j'avais fait un personnage qui était un petit peu polyvalent. Je sais plus dans quel Souls. Mais là, voilà, j'ai pas envie. Alors, je me souviens à peu près... Tiens, là, ça, là. Ah, clé du géolier. Ah, génial. Il y en avait un autre. Pièce d'or rouillée, ouais, génial. Il y avait une autre cellule... Non, je t'avais oublié, tiens. Bim et bim. Il y avait une autre cellule que je pouvais ouvrir qui était où? Oh putain, petit bâtard, bah, je t'avais oublié toi aussi. Je sais plus. T'es pas à droite là? Non, ça c'est pour descendre. Ah oui, elle était là-bas en descendant les escaliers. On va se le faire, lui. Voilà.
Pourquoi j'ai tué lui et pas son pote? C'est complètement raciste, j'assume. Alors, lui, il y a un mec en bas. Ouais, là, je... Oh! Hop, 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 hop! Ma barre de vie, ma barre de vie! Aïe, aïe, aïe! Ils me suivent? Ah, mais ils me lâchent pas! En fait, j'ai l'impression que c'est quand je suis très proche d'eux que leur magie qui aspire ma barre de vie fait effet. Allez, on prend un petit... Voilà, très bien, je me sens mieux. Toi, on va te tuer. Ah, bah, oh, bah ils sont là encore. Voilà, c'est la classe. En plus, ça va me permettre de gagner un autre petit niveau de dextérité, ça. Et je pourrais même équiper mon arc, me semble-t-il. À marquer. Oh, la classe! Ils m'ont donné leur fer. Ah, mais... Mais non, c'est pas là, je me suis gouré. Putain, c'est pas là. Mais c'est pas là, c'est où? C'est vrai, je l'avais oublié, Gollum. Alors, attends, où est-ce qu'elle est, la... Putain de cellule que je sais plus où c'est. Voilà. Je crois pas que ce soit là-bas. Ça devait être de l'autre côté en fait. Ouais, ça devait être de l'autre côté. Je suis planté. Ouais, c'est la zone que j'ai déjà fait. Hein. Bien sûr. Là, j'avais des portes qui étaient fermées. Je viens de trouver les clés du geôlier. Il y a des bruits bizarres. Je me dis que c'est intéressant du coup de redescendre pour voir si. Si je peux pas trouver un objet qui puisse m'être vraiment utile. Manu, tu te fais du mal là, de quoi? Tiens, bien attention, tu fais peur au nouveau. Tu peux lire la description du catalyseur de Logan, s'il te plaît? Si tu veux. Alors, les catalyseurs, non, les catalyseurs, oui, si, c'est là, les catalyseurs. Catalyseur de Logan. Voilà, info. Donc, catalyseur employé par les sorciers de la cour de la capitale profanée. Entre les mains d'un sorcier doté d'une intelligence exceptionnelle, c'est un objet redoutablement puissant. Ces sorciers se présentaient comme étant les héritiers directs de Logan le Galurin, et n'ont pas hésité à fabriquer des reproductions du bâton qu'il employait pour tenter d'égaler son art. Capacité champ galvanisant permet d'améliorer brièvement la puissance des formes de sorcellerie, une capacité employable quelle que soit la main qui tient le bâton. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est une reproduction. J'ai trouvé la Chine. Plutôt Taïwan dans Dark Souls, très bien. Allez, voilà, c'est ça que je voulais ouvrir. Et ça me donne... Cendre du chef prisonnier. Eh ben, très bien. Allez, c'est bon. C'est ce que je voulais. Je pense que j'ai ouvert toutes les clés, hein, toutes les portes. Je vois plus de portes fermées. Je vais revenir avec cheveux pour stopper le live. Et filer les cendres, voir ce que ça peut me rapporter, ça. J'ai quand même espoir qu'avec la difficulté que j'ai eue à obtenir ça, voilà, c'était une zone un petit peu cachée, celle de Logan et tout, pour obtenir les clés, que ce soit, ça me rapporte quelque chose de bien. On va voir ça.
fort, ces Chinois. Ils fabriquent des baguettes de contrefaçon. Ils sont trop forts. Donc, on va revenir voir la copine. Coucou. Niveau supérieur. Hop. Ah non, je suis que niveau 23. Je pensais que j'étais 24. Du coup, non, je pourrais pas équiper mon arc. Eh oui, et là, et toi, la vieille, là. On va lui filer les cendres du chef de prisonnier, je sais pas quoi. Du coup, qu'est-ce qu'elle me propose maintenant? Acheter objet. Non, ça j'avais déjà. Couronne de Volnir. Non, ça j'avais déjà. Ce qu'il y a, c'est que là, on sait jamais lesquels... Quels objets ont été ajoutés dernièrement? Xanthorm, non, ça y était déjà. Carla, exilé, Jambire d'exilé. Armure d'exilé. Ah, mais c'est ça! Attends, c'est pas l'armure d'exilé? Ouais, elle est super lourde. Je crois que c'est l'armure d'exilé, je suis plus sûr. L'armure de l'Est, je l'avais déjà. Chevalier d'élite. Ouais. Gantelet, la Légion de Mort-Vivant, argent cuir, nana. C'est quoi ça, talisman en toile? Un sort. Il va falloir que j'achète tout ça. Bon, très bien. Est-ce que je peux éventuellement upgrader mon arme? Renforcer Fiole d'Estu, je crois que j'ai pas de fragment, hein, non. Non, je ne peux pas. Il me faut quoi? Il faut des éclats titanites et j'en ai zéro, quoi. Zéro. Ouais. Bien! On s'est arrêté là. Il est pas revenu, lui, là? Là, il y a un gars, des fois, à qui on peut parler, et puis il m'avait donné des... Il avait été pillé, puis il m'avait filé la recette de ses larcins. Est-ce que le gars qui est là-haut, près des... Attends, c'est où déjà? Il y a un gars qui est adossé à un trône. Ah, puis il y a Pat aussi. Il est où, Pat, déjà? Pat, il est de l'autre côté. Je vais voir si Pat est là et s'il me dit quelque chose de nouveau. Des fois que... Ouais, non, il ne dit rien de nouveau, nous sommes des parias, tout ça. Acheter. Armure en cuir noir, ouais, je connais cette armure. Enfin, il la vendait déjà. Et là, oui, il y a un gars qui, de temps en temps, est adossé ici, il n'y est plus. Qui a l'air de sortir tout droit de Bloodborne, d'ailleurs. Bon, ben voilà, très bien. Et ben, ça s'est bien passé, ce live, finalement. Un boss, une zone... petite, mais bon, il y a eu les marais, tout ça, on a retrouvé Catalina, c'était cool. Manu, Uni, elle chante Frozen en VF. J'aurais fait la même chose. On a vu avec Véro, Frozen, voilà, c'est la première fois. Bah, écoutez, vous moquez pas, hein, moi, j'adorais Réponse, j'ai été le voir comme un connard au cinéma. Tout seul, mes potes, ils avaient pas voulu m'accompagner. Et du coup, je voulais voir Frozen. Et on l'a fait, voilà, j'ai réalisé un rêve. Voilà, comme le dit Véro. Quoi, mais tu peux pas rester sur 13 morts? Pat le connard. Il vend des armes, sans des armes de boss. Bref! Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain pour la suite, du coup. Ouais, c'est vendredi, là-bas. Oui, mais oui, c'est ça. Donc, pour la suite de Dark Souls 3 demain, on ira, pour le plus grand plaisir de Carian, mignon Manu, ou pour le plus grand plaisir de Kyrian, on ira à Anorlando, n'est-ce pas Kyrian? Tu es content? Je vais m'enseigner pour cette histoire de Katarina là. Allez, une bonne soirée à tous, merci encore d'être venus, dormez bien, c'est important de le dire, je le dis pas assez, dormez bien, des bisous, à demain, si vous voulez bien.